Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 25 janvier 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Avant de commencer, merci. Avec toute ma gratitude, mes anges, de me rappeler votre présence. Merci, avec toute ma gratitude, mes anges, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la dualité. Souvent détestée ou rejetée, eh bien, la dualité sur Terre, appelée quelquefois, on ne va pas se le cacher, n'est-ce pas, l'ego, vous permet de découvrir qui vous êtes. Et si votre âme était un arc-en-ciel, où toutes, eh bien, les couleurs ne font qu'une, vous seriez blanc. Sur Terre, vous pouvez découvrir votre couleur, jaune, rouge, bleu, etc., etc., et vous pouvez la choisir à chaque instant. Là est la beauté de la vie sur Terre, n'est-ce pas? Et en croyant être séparé des autres, eh bien, pour certains d'entre vous, vous co-créez votre vie et décidez qui vous souhaitez être. Alors, ne rejetez pas les événements. Ne rejetez pas les personnes ou vos états intérieurs. Au contraire, accueillez-les et puis modifiez-les dans un second temps si vous le désirez. Votre dualité, elle est avec vous, n'est-ce pas? En alignant vos pensées, en alignant vos paroles et vos actions sur les désirs de votre âme, en accord, eh bien, avec ce grand tout, vous découvrirez une nouvelle manière de vivre sur Terre. Vous pourrez co-créer votre vie en évoluant avec le sourire et pas avec la noirceur, et en ayant confiance en ce qui vous guide. Confiance en vous, confiance en votre petite voix intérieure. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dire oui. Vous allez dire aujourd'hui oui. Oui à tout ce que vous vivez, à ce que vous aimez et à ce que vous rejetez. Par exemple, vous avez fait tomber un verre et il est cassé. Eh bien, dites oui, oui à ce qui est. Pour certains d'entre vous, vous êtes irrités par les propos d'un collègue, de votre amoureux, d'une personne de la famille. Eh bien, dites oui. Intérieurement, à qui il est. Pour d'autres, vous avez peut-être perdu un être cher. Dites oui à son départ. Et c'est comme ça que vous ne dépenserez plus votre énergie à être à contre-courant. Vous l'utiliserez pour accueillir par le cœur et par l'esprit ce qui se présente à vous. Aujourd'hui,
je dis oui à la dualité. Aujourd'hui, je dis oui à la dualité. Aujourd'hui, je dis oui à la dualité. Très, très, très beau message, n'est-ce pas, sur la dualité. On est confronté tous les jours à cette dualité. On ne comprend pas, ou on ne veut pas comprendre, ou notre ego n'accepte pas. Je termine avec le secret au quotidien de ce jeudi 25 janvier. Vous pouvez changer le cours de votre vie, n'est-ce pas? Passez de l'obscurité à la lumière, ou du négatif au positif. Chaque fois que le positif canalise votre attention, vous mettez davantage de lumière dans votre vie. Et vous savez que la lumière fait reculer les ténèbres. La gratitude, l'amour et les pensées, paroles et actions gentilles font surgir la lumière et disparaître l'obscurité. Remplissez votre vie avec la lumière, de la positivité. Très beau message du secret au quotidien, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, prenez soin de vous en douceur, avec beaucoup, beaucoup de douceur parce que vous le méritez et que vous en avez besoin. Et moi, eh bien, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.